crevier. Curieux. Ouais, âme qui vit. Curieux. Là, pas si vite. Ah, c'est toi, Poudre. Nous voulons voir le gouverneur général. C'est très grave. Il n'est pas là. En ce cas, nous parlerons à M. de Calière. Il n'est pas là non plus. Mais qui commande, alors? C'est moi qui commande ici, sergent. Et vous n'avez pas à discuter mes ordres? Je ne discute pas, monsieur l'intendant. Seulement... Encore? Allez. Distribuez des vivres à toutes les femmes de colons qui vous en demandent. Mais j'exagère. Et les réserves... M'avez dit vous-même qu'elles étaient importantes. Allez, distribuez. Je tiens à ce que ceux qui restent mangent tous leurs sous. Et si la guerre se prolonge, eh bien on verra. Entrez. Monsieur l'intendant, il y a là Justin Crevier et André Poudret qui arrivent d'Albanie et qui... Justin Crevier... Bon, qu'ils entrent. Vous pouvez disposer, sergent. Écoute. C'est que, monsieur l'intendant, je devais faire rapport à son excellence personnellement. J'étais porteur d'un pli de son excellence au gouverneur Dungan de Manat. Je sais, je sais. Parlez. J'ai plein pouvoir en l'absence de son excellence. D'abord, dites-moi, qu'est-ce qu'il contenait, ce pli? C'est que je n'en sais rien, monsieur l'intendant. Vraiment? Vous apportez la réponse de monsieur Dungan? Et vous ignorez ce que contenait le pli du gouverneur. Vous m'étonnez. Eh bien, justement, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Dites donc, vous moquez de moi? Je vous préviens, je saurais bien vous délier la langue si vous refusez de parler. Mais je vous jure, monsieur l'intendant, qu'il n'y a pas de réponse. Le gouverneur nous a renvoyés, comme ça, sans réponse. C'est la vérité. Nous. Je vois là que vous étiez trois, et vous n'êtes plus que deux. Où est l'autre? Mais répondez! C'est que... C'est que quoi? C'est que... Le sueur, il est passé du côté des Anglais. Un transfuge. Belle délégation. Vous n'ignorez pas, je suppose, que vous aurez à répondre de la conduite de ce traître. Sergent, arrêtez cet homme. Quant à vous... Vous partirez dès demain pour le fort Frontenac. Vous irez vous-même faire rapport à son excellence. Vous l'accompagnerez, sergent. Vous pouvez disposer. Excellence, on enterre les morts. Il faut venir, c'est le moment. Vous voyez bien que je suis en train de mourir moi aussi. Donc on les enterre et qu'on me laisse en paix à la fin. Oh. 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 Oh.
De profundis clamavi ad te, Domine. Domine exaudi orationem meam. Benedictio Dei omnipotenti. Anime eorum et anime omnium fidelium defunctorum, per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen. Amen. Le gouverneur est là, tout près. Il n'a même pas daigné se déranger. Des soldats et des miliciens meurent sous ses yeux. Il les traite comme des chiens. Ça ne s'améliore pas, mon pauvre Charles. Tu devrais aller te coucher. Oh, ce n'est rien. La chaleur et cette damnée puanteur qui me taquine les bronches. C'est révoltant. 52 morts. Une armée de 1200 hommes embourbés dans un marais et qui attend le bon vouloir de l'ennemi pour attaquer. La barre a perdu la tête. Il est buté. Il ne veut rien entendre. Bon sang de bon sang. On ne déplace pas une armée entière pour la laisser pourrir sur place. Qu'est-ce que c'est? L'enseigne de vaisseau Pierre le Moine d'Iberville demande à être reçue d'urgence. Bon, qui entre? Qu'y a-t-il, lieutenant? Je viens de conférer avec les officiers. Cette inaction mortelle ne peut plus durer. Il faut lever le camp. Il faut attaquer immédiatement, sinon l'expédition est fichue. Les hommes ne resteront pas une journée de plus dans ce marécage d'enfer. Je suis tout à fait de votre avis, lieutenant. Si seulement j'avais le commandement suprême. Laissez-moi mener une expédition de reconnaissance chez les Iroquois. L'armée aura au moins l'impression qu'il se passe quelque chose. C'est ça qu'il faut faire. Il faut remonter le moral de nos hommes. Diviser nos forces à ce moment-ci. Je ne demande que quelques hommes. Allemands, Sainte-Hélène, Rebutel, c'est tout. L'autorisation relève du gouverneur général. Il est dépassé par les événements en ce moment, vous le savez. S'il ne dépendait que de moi... Allons en délégation chez la barre. Et puisque je vous dis... Vous avez raison, lieutenant. Vous avez mon autorisation, partez. Mais tout n'aime pas rester là à crever comme des rats. Merci, monsieur. Entendons-nous bien. Il s'agit d'une expédition de reconnaissance. Ne tirez qu'à la dernière extrémité. Compris.
L'armée d'Onontio est innombrable. Eh bien, chef, qu'avez-vous décidé? Plus de 1000 Français, dis-tu, Kalyan? Mes espions sont sûrs et ils ont vu. Si mon frère Lanier dit vrai, les Iroquois n'attaqueront pas. Écoute-toi, 1000 miliciens français, c'est possible. Et en plus, il y aura sûrement des Hurons. Des Hurons? Les chiens! Seuls des traîtres s'allient aux Français! En ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Envoyer un message de paix à Onontio. They want to talk peace with the French. We'll let them. We'll attack afterwards. That's clever. Dis-moi, Ascouan, que penses-tu de ceci? Toi, envoie un message de paix à Onontio. Et nous, nous t'attaquerons ensuite. Kalyan remettra le message de paix si l'armée d'Onontio est aussi puissante qu'il le dit. Et dans le cas contraire, il saura lui parler comme je le ferai moi-même. Quand pars-tu? Tout de suite. Nous t'attendrons à Albany. Vous avez entendu? Quoi? Écoute. C'est par là, venez. Ils sont trop nombreux. Mais ils vont les. Nous allons nous disperser et les encercler. À mon coup de feu, vous tirerez. Rabutez-le bien avec moi. Il est mort. C'est poudré. Il respire. Dites au gouverneur que Dangun n'a pas donné de réponse. Dites que le chien... À moi! À moi! À moi! Adossez-le à la cabane. Ah, la sueur! Dis, la sueur, tu nous reconnais? Qu'est-il arrivé? Couteau.
une embuscade. Ils m'ont retenu comme otage. Et poudré. Il est mort. Guerriers iroquois sourient quand ils entendent Onontio dire qu'ils veulent leur faire la guerre. Si l'ardeur au combat des Français est si grande, pourquoi s'amusent-ils à faire des croix de bois plutôt que de fondre des balles? Les soldats d'Onontio se servent de leurs fusils comme d'une béquille. Ils font mieux de chasser les mouches qu'attirent la puanteur de leur camp que d'attaquer les Tonantouans et leurs frères, les Agnés. Si Onontio a voulu porter la guerre dans notre pays, c'est qu'il a bien hâte d'être rôti et dévoré. Cela nous donnera l'occasion de savoir enfin si le sel que mangent les Français rend leur chair plus salée que celle de nos autres ennemis. Quelle horreur! Des mangeurs d'hommes! J'apporte à son Excellence des nouvelles de M. Dongan. Il n'a pas daigné répondre au message que Crevier et les autres lui ont remis. Mais qu'est-ce qu'ils sont tous? Même nos amis anglais nous abandonnent. Girnas, moi, donnez des ordres, nous rentrons à Ville-Marie. Battre en retraite sans coup férir? Son Excellence n'y pense pas. Il faut faire vite, au contraire. Il a raison. Je ne sais plus, moi. C'est l'enfer, cette nouvelle France. Je n'y vois plus clair. Il faut donner des ordres, Major. Si les Iroquois pensent s'en tirer si bon compte, ils se trompent. Toi aussi, Libéville. Moi? C'est trop tard, maintenant. Pas si nous attaquons tout de suite. Ils croient que nous allons retraiter. Il est grand temps de les prendre dans leur propre jeu. C'est en arrivant à Lens à la famine qu'il fallait attaquer. Les Iroquois nous regardent mourir à petit feu, depuis 15 jours. Je crains que votre père ait raison. L'expédition est à l'eau. Elle a été vaincue par la fièvre, la dysenterie, les moustiques. Vous parlez comme si nous étions déjà morts. Je parle le langage du bon sens, le seul qui soit de circonstance ici. Nous aurions dû l'utiliser plus tôt. Il n'y a pas 100 hommes en état de combattre. Et la guerre n'est plus une solution. Que faut-il faire? Négocier. C'est ce qu'il y a de mieux à faire.